Ouais, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais ouvrir la petite ruchette où j'ai posé les seins la semaine dernière, vendredi dernier. Bon, on est jeudi, ça fait pas tout à fait une semaine, mais j'imagine qu'elles ont dû bien bosser là-dedans. Donc, je vous invite à visiter la ruche avec moi, la ruchette. Allez hop, on va faire un peu de fumée. Voilà, salut tout le monde. Voilà, ça suffit. Hop, allez, c'est parti. Alors, voyons voir ce qui se passe depuis 8 jours. J'imagine qu'elles ont dû bosser à fond, parce que tous les jours que je regarde, elles sont à fond, à fond, à fond, à fond. Alors, déjà, on voit qu'il y a bien du monde en action. Sur tous les cadres. Oh putain. Ouais. Je vois déjà un problème. Bon, d'accord. Allez, je vais vous montrer le problème. Vous allez voir. Ça vous obligera à faire attention à vous quand vous ferez pareil. Alors, vous allez voir ça. Ça, c'est du poulet. Alors, vous allez voir un peu les conneries qui m'arrivent. Voilà. Alors, bon, ça, c'est le cadre de rive. D'accord. Il y a des abeilles en travail partout dessus. Tu vois. Il y a toutes les cirières qui sont en plein chantier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la feuille de cire s'est cassée la gueule. Tu vois? Et ça, c'est pas fameux. Alors ici, elles l'ont raccroché. Là, tout le long, elles l'ont raccroché comme il faut. Mais là, ici, c'était en train de se casser la gueule. Donc j'ai intérêt à surveiller ça dans le futur, dans les prochains jours. Donc, ok. Donc là-dessus, ils ont bien bossé. Voilà. Et je vois qu'il y en a un autre qui est pareil ici. Je suis obligé de couper. Allez, je vais vous montrer de près là parce que quand même faut le voir, hein. Faut le voir sur place. Alors attends, c'est pas facile. Ouais. Je sais pas si je vais avoir assez de batterie aussi. Bon, encore pour m'énerver les batteries. Voilà, tu vois là, ici là, tu vois, la feuille de ce cadre là se casse la gueule vers là et ça touche l'autre cadre. Donc là, il faut que je sépare ça tout de suite, hein, sinon après c'est mort. Voilà. Allez, je vous remets sur le pied. Voilà. J'espère que ça va. Ouais. Donc là, je vais enlever ce cadre pour essayer de rectifier cette histoire. Mais c'est pas évident parce que il y a beaucoup d'abeilles dessus, bien sûr, c'est un cadre du milieu. Donc j'imagine qu'il y a peut-être la reine en train de pondre là. On va faire de la place en sortant un cadre de rive là. Alors, comme ça. J'espère vraiment qu'il y aura assez de batterie parce que ça clignote déjà. Hop. Et là ça bosse plein pot. Ah, mais du coup, où je vais mettre ce cadre hein, pour faire tomber tout ça. Quoi. Bon, je vais le poser là. J'espère que ça va pas trop merde. Ah, je suis de la baise avec mon cadre. Bon, allez, j'ai plus qu'à le remettre. C'est pas la peine. Je peux pas le poser, il y a trop d'abeilles dessus. Bon, alors on va ouvrir comme ça, tant pis. Hop. Alors je coupe là, la jonction, ici là. Je décolle le cadre. Hop. Aïe. Ça y est, c'est le bordel. Bon, allez, on va secouer tout le monde. C'est le bordel, mais je suis obligé de faire ça. Parce que là, ça vient tout de se casser la gueule dedans. Là, je suis obligé de poser le cadre, d'avoir mes deux mains avec moi. Voilà. Merde. Hop. La cire se casse la gueule, bien sûr. Bon, eh bien dis donc, ça commence pas bien. Bon, allez, on ouvre là. Voyez les cires, c'est pour ça que même dans l'urgence, eh bien, prenez le temps de les faire comme il faut. Parce que moi j'ai fait ça en urgence, j'ai pas fait bien gaffe au détail et puis total. Voilà le détail, c'est ça qui t'emmerde. On va repêcher ça. Voilà. Et alors ça, on va le sortir.
faut pas qu'elle refasse un pont entre les deux cadres. Ça, on redresse un petit peu. Voilà, c'est tout. Ça suffit. Et là, je peux le remettre en place. Mais bon, ça travaille super bien. Attention, voilà. Hop. Ok, bon. Ça bosse bien, ça va. Ouais, désolé du dérangement, mais obligé de faire ça. Ça, je recolle tout ça dans les cadres comme il faut. Enfin, comme il faut. Oui, le mieux possible. Et je remets tout ça à sa place. Voilà, ok. Voilà. Bon, eh bien, allez, on va dire qu'on laisse comme ça, parce que là, on les a bien dérangés déjà. Hein. T'as toute cette cire là. On met du côté. Bon voilà, je referme, allez, je referme parce que là, elles font déjà la gueule. Là, ça me court partout. J'ai perturbé leur chantier. Complètement perturbé le chantier. Bon voilà, allez, hop. Tout le monde à la boîte. Allez. Et là, on fait glisser le couvre-cadre. D'accord? Comme ça, en faisant glisser, on évite l'écrasement si possible. Bon voilà, allez, on laisse comme ça. Voilà, je remets la toiture et ça. Voilà. Bon, alors. Ouais, il y a les abeilles partout. Ouais. Bon ok, je vais changer de batterie et puis je reviens vous faire voir. On va inspecter les trois os qui sont en place sur les ruches pour voir où ça en est depuis moi que c'est là-dessus. Allez, salut.